On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. C'est une émission aujourd'hui entièrement dédiée au marché de la revente de maisons. Pourquoi? On est à la fin février, c'est souvent le moment de l'année qui est propice à savoir est-ce qu'on va changer de maison, est-ce qu'on va accéder à la propriété, est-ce qu'on va renouveler notre bail. Bref, toutes ces questions et bien d'autres, est-ce que c'est un marché d'acheteurs, un marché de vendeurs? Comment se porte le marché? On en discute à l'instant avec deux experts, Éric Huneau et Nadine Réon. Vous savez que ce ne sera pas toujours l'hiver. Un jour, le printemps et l'été va venir. Et souvent, c'est le moment de l'année qui est propice à s'acheter bien, soit une première maison ou peut-être même à effectuer un changement de maison. Comment se porte le marché de la revente de maisons ici sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu? Saint-Jean-la-Ville, mais de façon élargie également au niveau du territoire. Deux agents d'immeubles, deux courtiers pour nous en parler. D'abord, Nadine Réon, bonsoir. Bonsoir. De même, Éric Huneau, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je dis agent d'immeuble, mais c'est un peu révolu comme terme. Oui. Ça n'existe plus. C'est courtier à l'immobilier. C'est quoi la différence? La différence, il n'y a pas une grande différence en définitive. Ils ont tout simplement décidé de changer le nom. Ouais. Et maintenant, on a des courtiers agréés, comme Éric et moi, nous le sommes, et d'autres courtiers qui sont des courtiers affiliés. Alors, c'est une question de formation, tout simplement. Puis dans les nouveaux venus, les formations leur donnent une pratique restreinte. Au résidentiel. Ils doivent par la suite faire une autre formation pour pouvoir faire de l'immeuble à revenus au 6 logis et plus ou du commercial. Donc, il y a une restructuration au niveau de la formation, beaucoup, puis au niveau aussi des responsabilités. Les courtiers ont beaucoup plus de responsabilités et qui ont comme été enlevées de l'agence aujourd'hui. Hein. Autrefois, le courtier, c'était le bureau, puis l'agence... Le représentant du courtier. Donc, l'industrie s'est un peu transformée, là. C'est ça. C'est un peu transformé. Puis, c'est beaucoup plus axé sur des formations continues. On doit suivre, on doit se perfectionner, disons. Ouais. Est-ce que c'est complexe aujourd'hui? Disons, je pars ça du début. Là, disons, moi, demain matin, je vais mettre en vente ma maison. Là, aujourd'hui, puis on est inondé de publicité. Bon, des agents, des courtiers immobiliers, il en existe mille et un. Il y a plusieurs bannières. Il y en a que c'est vendre par soi-même ou avec un petit 2 % proprio direct, puis d'autres, c'est des bannières. La personne qui veut vendre sa maison finit par s'y retrouver? C'est pas facile. Une bonne question. C'est pas facile de s'y retrouver. Moi, le conseil que je donnerais finalement aux clients, c'est de faire affaire avec la personne, peu importe la bannière comme telle, mais c'est de faire affaire avec la personne avec qui elle a confiance. Évidemment, s'assurer de l'expérience quand même de ce courtier-là, voir un petit peu, on dit le passé est garant de l'avenir, mais c'est de voir un peu le passé, quel genre de transaction il a fait ou elle a fait, et se sentir en confiance finalement avec cette personne-là. C'est ça qui va être, je pense, la meilleure... C'est comme se choisir un avocat, un notaire, absolument. Un comptable. Effectivement, c'est un lien de confiance. Puis, c'est ça qui dans la vente de la propriété, moi, je vais porter à dire que c'est comme une association, OK? On fait à court terme une association avec une personne. Le but est de vendre la propriété. On est là pour le conseiller, mais on travaille avec aussi parce qu'à un moment donné, il faut se parler. Il y a des ajustements qu'il faut faire. Il y a des réalités qu'il faut apporter dans la propriété. Et la personne, le vendeur, bien, il faut qu'il soit en mesure de se sentir, comme Nadine disait, en confiance avec la personne. Donc, c'est vraiment une question de personnalité aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de maisons à vendre en ce moment sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu? Bien, M. Latour, je peux vous le dire exactement. Allez-y donc, on veut des chiffres. Parce que ça, ce sont des statistiques de la Chambre d'immeubles de Montréal. Évidemment, ce sont les propriétés qui sont à vendre par un courtier à l'immobilier. Il y en a exactement en ce moment 1142 propriétés à vendre sur le marché. Confondu, donc il y a du résidentiel, il y a du commercial. Absolument. Oui, 1142. Okay. Oui, ça, c'est le total. Il y a de tout, qui est enregistré au mois de janvier, au 31 janvier cette année. C'est ce que ça donnait. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Disons que c'est normal. C'est normal. Il n'y en a pas davantage que d'habitude. La seule chose, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les propriétés prennent plus de temps à se vendre.
On c'est quoi le délai moyen maintenant? Moi, j'ai tendance à dire 6 à 8 mois. Oui, 6 à 8 mois, oui, facilement. Tu sais, c'est le délai. C'est normal pour quand on est dans un marché, ce qu'on dit acheteur, là, comme Nadine explique, c'est que dans le fond, un marché d'acheteurs, c'est que l'offre, elle est supérieure et la demande, elle est plus restreinte. Alors, on est un peu au retour à la normale. Là. Oui. Moi, je peux vous dire, ça fait quand même, je ne devrais pas le dire, mais en tout cas, ça fait 46 ans que je fais de l'immobilier, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais je peux vous dire que les années qu'on a connues, où les propriétés qu'on mettait en vente et puis qui se vendaient, on avait 3 offres dans la même semaine, c'était ça qui n'était pas normal. Aujourd'hui, c'est un marché qui est quand même beaucoup plus équilibré. Parce que si on avait continué dans cette tendance-là, on avait des prix de propriétés qui augmentaient, évidemment, mais on n'avait pas non plus les salaires qui suivaient en conséquence. Ouais, qu'est-ce qui provoque, exemple, la folie dont vous faites référence, là, 2-3 offres dans une même journée, versus un marché qui est plus un marché d'acheteurs maintenant? Qu'est-ce qui provoque ces hauts et ces bas dans le monde de l'immobilier? L'économie. L'économie, contexte économique. Le contexte économique. C'est sûr que si on regarde les 3 dernières années, puis on va parler particulièrement de l'année 2014, on parlera pas de récession parce que c'est peut-être pas le mot qu'on peut employer. Ralentissement économique. Mais il y a un ralentissement économique, là. Il faut être quand même réaliste. Donc, les gens sont… Absolument. Il y a cette, une retenue, là. Peur, il y a une retenue. Puis, il y a aussi le fait que quand même, on a eu beaucoup de mises à pied quand même partout au Québec et à Saint-Jean, on n'a pas échappé à ça. On a juste à penser à l'hôpital du Haut-Richelieu, tout ça, où il y a eu quand même, je pense, 86 infirmières. Puis bon, il y a eu plein de compagnies où il y a eu des mises à pied. Il y a eu aussi des promesses de mises à pied, sans qu'elles soient effectives. Mais il y a cette inquiétude-là où on disait Le contexte économique influence beaucoup absolument. La psychologie. Absolument. Le ralentissement de la de mise en marché de la construction neuve, mais ça a un impact sur la revente usagée. C'est normal parce que les gens qui rêvent d'avoir une maison construite à leur goût, à quelque part, il faut qu'ils vendent ce qu'ils ont. Ouais. Donc, ça vient, il y a un lien direct. Puis, il y a aussi. Au niveau des acheteurs, je suis en train de perdre mon idée, au niveau des acheteurs, c'est qu'on vit avec un bassin d'acheteurs où, vu qu'on a quand même beaucoup plus de choix accessibles par le ralentissement justement des ventes des propriétés, on vit avec des acheteurs qui, ayant plus de choix, prennent plus le temps pour trouver le spécifique. Dans les années comme on a connu, les gens n'avaient pas de choix. Fait qu'ils prenaient à peu près tout ce qui passait parce que sinon… C'est que quelqu'un d'autre le prenait, là. Est-ce qu'il y a beaucoup de reprises de finances? Il y en a un petit peu plus. Il n'y en a pas exagérément, mais il y en a un petit peu plus. Ouais. Oui, il y en a un petit peu plus. Mais la qualité des reprises de finances, que ce qu'on voit dans les dernières années, c'est sûr, dans 2005-2007, il y en avait pratiquement… On n'entendait plus parler de reprises. Là, on en voit. Mais les reprises qu'on voit, ce n'est pas nécessairement tant des propriétés où ce qu'on rentre puis on voit que c'est une petite famille qui a tout perdu puis ils sont partis. Là. C'est beaucoup plus des propriétés de mauvaise gestion, des gens qui ont entrepris des travaux puis qu'à un moment donné, peut-être que dû à leur situation financière, on va être capable de les compléter. On n'en voit pas tant là, ce qu'on appelle là, des bijoux de reprise. Là, où est-ce que c'est des gens qui n'ont vraiment pas les moyens de payer. C'est ça. Il y en a, mais c'est quand même pas tant. C'est pas souvent la raison. La plupart du temps, c'est pas vraiment la raison. C'est ça. C'est beaucoup plus une séparation, c'est beaucoup plus… C'est ça. Puis là, à un moment donné, il y en a un des deux qui dit, bon, des fois, pour même embêter l'autre, on va les séparer. Oui, ça, c'est une autre affaire. Mais c'est ça, on voit ces maisons, les reprises de finances, on le voit dans quel état elles sont. C'est souvent des gens qui ont entrepris des travaux et qui n'ont pas eu les moyens de terminer ces travaux-là. Et là, à un certain moment, ça éclate. Ils se sont découragés, puis là, ils ont dit, allez, on laisse faire. C'est ça. Puis le resserrement au niveau des institutions financières a fait en sorte que refinancer sa propriété pour continuer les travaux, c'est beaucoup plus difficile. On parlait, à un moment donné, où est-ce qu'on pouvait refinancer à 95 de la valeur. Aujourd'hui, c'est 80. Donc, l'écart, là, elle est importante. Là. Ça fait en sorte que les gens n'ont pas suffisamment d'équité de sa propriété. La présence de militaires dans la région, est-ce que ça influence le marché? Est-ce qu'effectivement, il y a beaucoup
de vente et... Je vais te laisser répondre parce qu'Henri, Eric en fait beaucoup avec les militaires. Oui, ça influence, c'est sûr. Bien, oui, effectivement. Royal Lepage, on travaille beaucoup avec le relogement dû à Brookfield, qui est la société mère. Là. Mais oui, l'année passée, ils n'étaient pas là. Donc, il y a eu des coupures et ça l'a probablement fait en sorte que 2014 est à la baisse par rapport à 2013. Parce que c'est quand même, était bien parti 2014. Là. Mais le bassin ici, on est dans une région avec la base comme Farnham, c'est des régions où on a du mouvement militaire. Donc, c'est sûr que le fait qu'il y a eu des coupures, bien, j'ai un chiffre en tête, j'aime mieux pas le mentionner, mais c'est quand même assez important, là. Où ça ne s'est pas produit. Ah oui? Ah oui? Non, ça ne s'est pas produit. Et j'ai des gens, moi, qui... J'avais même des gens qui m'avaient appelé pour me dire, on attend notre posting, on va mettre la propriété à vendre. Finalement, on rappelait, c'était retardé l'année prochaine. Donc, cette année, ça peut être intéressant. Là. Qu'est-ce qui se vend bien actuellement? En fait, je vais poser tout de suite ma sous-question. Des propriétés en bas de 200 000, là, est-ce qu'il y en a? Et si oui, ça a l'air de quoi? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, M. Latour. Et ça a l'air de quoi? C'est ça. Il y a encore de l'argent à remettre. Ça prend un marteau. C'est ça, exactement. Ça prend quelqu'un qui est bricoleur un peu pour dire, moi, j'achète pas cher. Et ça, c'est quoi? C'est des très, très vieilles maisons, mal entretenues, où on parle de plus petits gabarits comme des maisons mobiles ou des maisons de ville? Des maisons de ville. On peut trouver des maisons de ville. Des maisons de ville, des semi-détachées, des années 80, 85... qui sont quand même relativement bien, mais qui ont quand même besoin souvent. Il faut penser aux fenêtres, il faut penser... Il y a les armoires de cuisine, tout ça qui sont à changer. Alors, c'est sûr qu'en bas de 200 000, il n'y a pas beaucoup de transactions qui se font, ou des transactions qu'on peut dire... Il y en a quelques-unes, mais... C'est rare, là. Tu sais, ça prend souvent un prêt additionnel pour faire certains travaux. C'est sûr qu'on peut... faire financer et l'achat de la propriété et établir les besoins à court terme et financer également les travaux qui vont devoir être faits. Ça se fait. Mais il faut plutôt compter entre, disons, 225 000 250 000 $ pour avoir une maison vraiment... Où on les déplace? Si les gens acceptent de sortir de Saint-Jean, s'éloigner un peu vers Farnham, vers la Colle... Là, on peut trouver des produits qui sont intéressants. Un petit peu moins cher. Un peu moins cher parce qu'on s'éloigne. Et à la base, les terrains sont moins chers. Donc tout mais si on prend, là, disons, je me rappelle d'avoir déjà vu ce comparable-là. On prenait, disons, une maison, je dis n'importe quoi, disons, une maison qui vaut 350 000 à Saint-Jean. On la mettait, disons, dans le nord de Trois-Rivières, puis elle valait 175, ou on la mettait à Saint-Bruno-de-Monterville, puis elle valait 500. Ou en Gaspésie. Bon, en Gaspésie, bon. Disons qu'on prend le même comparable. C'est quoi la différence entre Saint-Jean, Saint-Césaire, Marieville, Farnham, La Colle, Napierville? C'est quoi la différence, là, en pourcentage, d'une maison qui est pareille, là? L'économie, le travail. Oui, bien, l'offre et la demande. Parce que c'est toujours, évidemment, tout est basé sur l'offre et la demande. Autrement dit, une maison qui vaut 250 000 à Saint-Jean, elle vaut combien à Farnham ou à La Colle? Bien, moi, j'aurais tendance à dire que 250 000, elle va peut-être valoir 200. Oui. Parce que c'est la base. C'est que ici, si on achète un terrain, par exemple, puis que le terrain vaut 100 000 $ pour construire une propriété, puis qu'on achète le même terrain à Bedford, par exemple, peu importe, puis lui, il vaut 40 000. Bientôt, il y aura toujours ce 60 000 $-là de différence qu'on va toujours retrouver. La sur construction, le terrain. C'est le même coût. Hein? Construire d'un côté ou de l'autre, c'est le même coût. C'est ça. Mais c'est le terrain qui fait la différence. Et l'offre et la demande. Et ce n'est pas d'hier, ça, là. Même si on retourne dans les années 90, ça a toujours été. Tu sais, il y a eu des... À l'intérieur de Saint-Jean, il y avait des... Bien, avant ça, c'était pas fusionné, mais il y avait des points. On disait Saint-Luc, ça a toujours été comme le point chaud. Plus près de la 35. Si on s'en allait à Saint-Athanas ou à Iberville, on pouvait... la même propriété construite dans les deux secteurs différents, il pouvait avoir 15-20 000 d'écart. Comment se porte l'accession à la propriété?
Parce qu'il y a 15-20 ans, oui. il y en a beaucoup. Bon, on utilisait, je ne sais pas si ça existe encore, le fameux rap oui. Ou d'autres ça, types ça de trucs. Ça existe toujours. Oui. Comment ça se porte actuellement, l'accès à la propriété? C'est même mieux, le rap, aujourd'hui, que c'était. Ah oui? Oui, parce que le rap, à l'origine, tu avais le droit une fois dans ta vie pour une première maison. Aujourd'hui, si ça fait 5 ans que tu n'es pas propriétaire, tu peux rapper. Tu peux avoir déjà été propriétaire et oui. être 5 ans à logis et recommencer. Oui. Donc, mais il y a un 5 ans quand même entre les deux. Oui, c'est ça. C'est ou ça. Il y a une exception aussi dans le cas, par exemple, d'un divorce. Si à un moment donné, vous avez dû, disons, vendre votre part de propriété parce qu'il y a eu un divorce, bien, vous pouvez à nouveau vous servir de Comment font les jeunes couples, justement, pour accéder à la propriété? Parce que je me rappelle, je prends un exemple, je ne sais pas moi, il y a 20-25 ans, un jeune couple qui était à la mi-vingtaine pouvait s'acheter une maison pour, disons, 75 000. Mm-hmm. Puis probablement, ces gens-là l'ont revendu 5-7 ans plus tard, probablement le double, parce qu'il y a eu une petite bulle à un moment donné. Mais là, aujourd'hui, on est en 2015. Là. Un jeune couple là, qui s'achète une maison, en bas de 200, on disait tantôt qu'il n'y a pas grand-chose. Oui. Fait que si on met une moyenne à 225... Oui. Ça prend vraiment... il faut absolument que les deux travaillent. Ce qu'il faut savoir aussi, tu sais, quand on entend dire les taux d'intérêt sont bas, c'est vrai que les taux d'intérêt sont bas, mais ce qu'il faut penser, c'est que pour accéder à ces taux-là, il faut quand même se qualifier comme si les taux d'intérêt étaient à 5 %. Ah, oui? Même si on est en bas de 3 %, on est à peu près à 2,75 à peu près là, dans ces taux-là. Mais le calcul que l'on doit faire, c'est comme si les taux étaient à 5 %. Donc, on élimine déjà un paquet de monde. Puis on le voit quand les gens viennent nous rencontrer, parce que souvent aujourd'hui, bon, tout le monde a Internet et puis tout ça. Puis ils vont magasiner sur Internet. Puis là, ils nous arrivent puis ils disent, moi, je peux m'acheter une maison jusqu'à tel prix parce que je suis capable de payer tant par mois. Non, c'est pas vrai. Dans la réalité, c'est pas vrai. C'est moins que ça. Parce que toi, tu ne l'as pas calculé, mais c'est comme... Une maison de 225 000, le minimum requis est de combien pour 5 %. C'est toujours la règle du 5 %. 105 %, oui. Donc, 5 % de 225. Puis après ça, si on met une hypothèque de 200 000. C'est plus que ça. C'est pas juste 5 %. Le resserrement au niveau des institutions financières, c'est que là, ils ne demandent pas juste le 5 %, mais ils vont demander aussi... à ce que la personne ait les frais d'acquisition, qui représentent à peu près 1,5, c'est ça. Donc, en réalité, c'est 6,5 que ça prend. Là. Les frais de notaire, la taxe de bienvenue. Donc, sur une maison de 225 000, ça nous prend à peu près 15 000 cash. C'est ça. Absolument. Oui, effectivement. Donc, il faut se ramasser 15 000 $ comptant. Ou si on a des bonnes jobs, on peut, comme là, jusqu'au 28 février, on peut le faire encore. Ils vont aller avec des prêts REER. Et contracter une hypothèque d'environ 200 000 $ même si actuellement les taux d'intérêt sont assez faibles, on échelonne ça sur quoi? 25 ans. Il n'y en a plus là, des 30 et des 40 ans. Non, c'est un peu ça aussi qui a un peu déstabilisé le marché parce qu'on se rendait compte que le premier acheteur, il prenait des prêts de 30 ans. 5 ans, puis, même à donné. Même on a eu jusqu'à 35 ans, mais le 30 ans était vraiment régulier. Alors, cette différence de 5 ans, sur l'amortissement, ça fait vraiment une différence. Alors, c'est 5 ans de moins et nous devons calculer les financements comme si les taux étaient à 5 % et non à la réalité d'aujourd'hui à 2,75. Donc, c'est sûr qu'on élimine déjà quand même un paquet de gens qui ne peuvent pas se qualifier. Donc, sur le territoire ici, le marché moyen, c'est quoi? 2,25, 2,50, 2,75? Oui, c'est à peu près ça. Mais la même maison à Candiac ou à Saint-Bruno ou à Boucherville, évidemment, va valoir beaucoup plus. C'est pas le même marché. Oui. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup, est-ce que vous sentez, vous, dans votre clientèle, une clientèle qui arrive de l'extérieur, c'est-à-dire des gens qui ne sont peut-être pas nés ici nécessairement, qui ont fait leurs études Montréal, Québec, qui ont peut-être acheté ou qui étaient à loyer, je ne sais pas moi, à Longueuil, veulent s'acheter une maison, s'aperçoivent qu'à Longueuil et Boucherville, c'est peut-être un petit peu cher, et font le choix de venir ici. Est-ce qu'il y en a beaucoup de ça? Il y en a beaucoup, oui, effectivement, parce que je ne dirais pas qu'on est une ville dortoir, là, quand même, mais il y en a quand même beaucoup. Et puis, ce qui est extraordinaire de notre ville, quand même, c'est qu'on est à 20 minutes du pont Champlain. Mm-hmm. Alors, à nous, puis nous, on essaie de le faire, et puis j'espère que beaucoup d'autres vont le faire, c'est de faire la promotion de notre région. Et j'ai lu dernièrement, d'ailleurs, que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pensait à donner des subventions, justement, pour un crédit pour l'accessibilité à la propriété. Et je pense que si tout le monde met la main dans la main, ce qu'on veut, c'est développer notre région. On a une belle région. Mais est-ce que
c'est peut-être pas joli ce que je vais dire là, mais est-ce que l'étalement urbain est en train de dortoiriser la ville de Saint-Jean? Un peu quand même. Un peu parce que... Oui. Mais oui, un peu quand même, oui. On ne peut pas dire... Ça. C'est une réalité. Mais, c'est mais une réalité. C'est quand même... Ah, excuse-moi, continue. mais par contre, on sait aussi que même si les gens travaillent à Montréal et qu'ils s'installent à Saint-Jean, on sait que ces gens-là, ils vont aussi consommer quand même en partie à Saint-Jean. C'est sûr. Peut-être une partie à Montréal, mais... Donc, les frontières sont en train de tomber. Là. Les frontières. On est à 10 minutes du 10-30. Là, qui, ça, même ça. Si on disait au début, quand il s'est construit, moi, j'étais la première à dire « ça marche pas, ça marche pas ». C'est la même chose. Non, c'est comme ça. Mais c'est à nous de réagir puis de faire en sorte que les gens viennent jusqu'ici puis qu'on les garde ici. Mais ça quand même, juste pour ajouter, c'est quand même quelque chose qui existe depuis longtemps. T'sais, les gens sont en allée vers Brossard, Longueuil, le prix a augmenté, ils ont reculé vers Saint-Jean. Ouais. Alors, regardons Marieville. Qui aurait cru qu'à Marieville, des condos puis des jumelés se vendraient à Marieville? Oui. Puis pourtant... Marieville, Saint-Angèle, ça s'est bien développé. On a parlé beaucoup d'unifamilial, comment se portent les maisons de luxe, comment se portent les condos, comment se portent les immeubles à revenus. Ah. Les maisons de luxe, pas si bien que ça. C'est beaucoup plus lent à vendre. On a des propriétés qui sont des belles propriétés qui sont sur le marché depuis un an, certaines deux ans. C'est long. C'est vraiment de trouver le bon acheteur. C'est long. Et ça, on le sait au départ, quand on fait la mise en marché, on le sait. Dans le cas des condos, est-ce qu'on a beaucoup de condos en vente ici sur le territoire? Est-ce que ça se vend quand même? Moi, c'est est-ce qu'il y a de la demande pour ça? 183 actuellement. Puis... Si je regarde, là, depuis le 1er janvier, ça en est vendu 12. Ouais. Quand même. Pas pire. C'est ça. C'est le marché de condos, c'est sûr qu'il n'est plus qu'est-ce qu'il était, mais il est encore, c'est encore bien. Ça se situe à peu près dans l'ensemble. Tout a un petit peu ralenti. Là. Et quelqu'un qui voudrait se porter acquéreur d'un immeuble à revenu, est-ce que c'est le bon temps? Est-ce que c'est le bon temps de le faire en ce moment? Est-ce que ça l'est toujours de toute façon? Oui, ça l'est toujours parce que l'immobilier, veut pas, là, il peut y avoir des petits hauts, des petits bas, mais en bout de ligne, ça finit par se stabiliser. Là, quand on regarde ça à court ou moyen terme, là, c'est toujours un bon investissement, c'est sûr. C'est sûr, c'est un bon investissement et il va toujours falloir se loger. Donc, c'est sûr que des locataires, il va toujours y en avoir. C'est de faire le bon choix, d'acheter au bon prix, c'est évident, pour qu'il y ait une rentabilité. Mais ça fait partie des études. C'est pour ça qu'on est là. Hein? Est-ce que les mises de fonds sont différentes pour les immeubles à revenus? La mise de fonds est un petit peu différente. Si logis est moins, c'est combien? C'est 20% si tu n'es pas propriétaire occupant. Ça, c'est sûr. Et si tu es propriétaire occupant? Duplex, c'est 5. Triplex, 4 logis, c'est 10. 10. C'est ça. Mais où il était le problème avec les immeubles à revenus, c'est justement, pour revenir, avec la restructuration, le resserrement au niveau du financement, ces petits immeubles-là, là, en bas de 6 logis, c'est souvent des gens qui débutent dans l'investissement. Ah ouais. OK, ils veulent faire le main à ça, ils veulent apprendre à gérer ça. Et la mise de fonds provient des équités sur leur propriété. Quand on refinance une propriété à 95 % de sa valeur, on a une meilleure mise de fonds. Quand on refinance sa propriété à 80 % de sa valeur, on a une moins grande mise de fonds. Alors, c'est un petit peu ce qui a causé, à un moment donné, un petit ralentissement. Moi, là, on voit que les gens s'adaptent. On voit qu'on trouve des nouvelles solutions avec les institutions financières, puis on les ramène, ces investisseurs-là. Dernière question, malgré le fait qu'il fait moins 20 depuis à peu près 2 mois. On est à la fin février, mars s'en vient, c'est probablement le moment de l'année où les gens doivent signifier s'ils quittent ou non au niveau des loyers et tout ça. Est-ce que vous sentez que ça bouge un petit peu plus? Est-ce que vous sentez où le marché est quand même… Écoutez, si je me fie aux statistiques de la Chambre d'immeubles de Montréal, le mois de janvier, malheureusement, c'est 3 % de moins que le mois de janvier 2014. On a 3 % de baisse. Nous, si je regarde à notre bureau, on est 12 % en avant par rapport à l'année dernière. Donc, si on regarde les 3 dernières années, ça s'est pas mal stabilisé. À quelques transactions près, je regardais les chiffres avant de venir vous rencontrer. Ouais. Et puis, finalement, on est... Mais si je retiens une chose, actuellement, on est dans un marché d'acheteurs. On est dans un marché d'acheteurs. Et il faut les encadrer, ces acheteurs-là, parce que plus souvent qu'autrement...
avec le choix qu'ils ont, il faut les ramener un petit peu. Là. À vous deux, merci beaucoup. Bien, merci. Ça fait plaisir, bonne chance Monsieur et bonne Latour. Saison. Merci. Bien, merci, merci. Restez avec nous au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Dans le confort de votre foyer. Télé-bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses bêta. Version 3.0, jeudi, 19h. Le CLSC du Richelieu offre un déjeuner causerie avec Suzanne Lefebvre de MobileAide concernant les services de maintien à domicile. Donc, c'est mardi le 3 mars à 11h au 1390 de la rue Bourgogne à Chambly. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran et l'émission se retrouve également sur notre site Internet. Ne manquez pas le dimanche matin 9h30 en direct le Télébingo. 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000. Et pour acheter vos livrets, il y a une trentaine de dépositaires sur la région. TVHR9.com pour connaître la liste ou encore 358-1912. À demain. Bye-bye.